ici Moutsou, merci TV, nous sommes sur le let's play de Tête 4. Salut Kate, ça va? Hey. Ouais, ça va? Salut. Salut. Salut Gueldange. Oh Gueldange. Comment ça va? Relation. Je voulais savoir comment tu vas. Oh, avec la bonne prise. Qu'est-ce que tu penses de nous deux? J'ai jamais été aussi proche de quelqu'un de toute ma vie. Ah oui? Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Bah, je sais pas. À quoi tu penses? Le prochain qui me fait des avances se prend mon genou dans l'entrejambe. Pigé? Ok, ça marche, pas de problème. Heureusement qu'on est ensemble, du coup, merde, je vais à la console. Ferme-toi. Voilà, merci. Oh, c'est pas possible. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Ça y est, c'est le retour, c'est reparti comme à l'ancienne. Vous allez avoir du Tête 4 à ne plus savoir quoi en faire. On est un peu tôt dans la matinée. J'ai décidé de vous enregistrer pas mal de contenu aujourd'hui, puisque c'est le week-end. Ça y est, déménagement terminé. Alors, pour tout vous avouer, en parallèle de mon déménagement, je me suis permis pendant une petite semaine de prendre, on va dire, quelques vacances avec ma bien-aimée qui malheureusement a dû rentrer chez elle. Et donc, du coup, tout ça s'étant juxtaposé, j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de tout ce que je devais faire pour vous, mais maintenant je suis de retour et ça va barder. Ça, je vous le dis, ça va barder. Nouvelle maison, plein d'énergie. On va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Souvenez-vous, on était venu ici, j'avais bu un peu de l'eau de partout. L'eau de vie de l'au-delà. Donc on est à Radland, sur Far Harbor, Tête 4, bien entendu. Et on a besoin d'infiltrer la secte d'Atom, des enfants d'Atom, pour pouvoir avancer dans la quête principale de Far Harbor avec les personnes de Acadia. Donc. Voilà. Donc, déjà je bois dans la sauce. Souvenez-vous, il va se passer des trucs chelous. Ah, je sais pas si je vous l'ai mis en fait dans l'épisode précédent ou pas ça. Je sais plus. Je crois que je vous l'ai mis. Après je me suis fait tuer par je crois que c'était par les... Mais non, qu'est-ce que c'est qui m'a tué puisque les bêtes ne m'attaquaient pas? Je sais plus, je me souviens plus. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Par contre, attendez, hop. Je suis en train de me faire rader, mais genre bien comme il faut, quoi. Donc, il est où? Un petit radis et un petit radoué. Voilà. Oui, puisque les radis, ça fait partir la radiation, c'est bien connu. Bien entendu, bonjour. Bonjour. Ouais, du coup, donc on avait convenu, hein, dans les commentaires, vous étiez d'accord avec moi, que j'avais un DPS pas folichant sur mes armes. Et je vous avoue que je sais pas trop comment m'y prendre, à part peut-être en rajoutant du coup des points dans les fusils et les conneries comme ça. Faire plus de dégâts avec, parce que c'est vrai qu'en termes d'amélioration, mes armes sont quand même bien boostées. Le son est fort, non? Kate, elle doit se demander ce qui se passe, elle qui a pas bu à la source. Je sais pas si le son du jeu est pas un peu fort. En même temps, c'est plus immersif. Ah oui, on est arrivé ici dans cette petite maison, et là il y avait quelqu'un, je crois. Ça donne pas envie, hein. Ça me dérange pas de marcher un peu. Il faut qu'il y ait une récompense au bout. Oui, Kate, alors là, comme tu peux le constater, chérie, c'était un petit peu compliqué. Tu vas te trimballer ces merdes. Oui, oui, oui. C'est moi qui porte, de toute façon, tu t'en fous. Non? À un moment donné. Chérie, quand même. Je vais essayer de... Oh putain. Ça y est, je me souviens de ce qui m'avait tué. Des goulasses. Oh putain, des goulasses. Oh oui. Vas-y, tête. 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 Ah putain, t'arrêtes la tête. Non. Hop là. Oh la goulasse.
Viens pas m'aider surtout, Kate, hein. Ça va, hein. Je m'en sors très bien tout seul. Plus de PA. On va attendre un peu, ça va revenir. Elle est où ma barre? Ah putain, mais non. Pas revenir du tout. Ah voilà, bien joué. Y'a un truc derrière moi! Je crois que j'ai plus de balles pour le gardien du superviseur, je suis pas sûr. Non. Ah! Et non, j'ai plus de balles. Ah, y'a des boules partout. Putain, c'est la merde. Ça, c'est quoi? C'est Harry. On va prendre Harry. Y'en a un parmi vous qui m'a dit que la culasse là derrière, ça s'appelait le chien, je crois, c'est ça? Oh le chien, tiens tu vas goûter à mon gros chien. Du coup merci, c'est cool hein, c'est bien. Ça fait un peu de... Comment? Oh putain. Oh! Tête! Tête! Oh oui! Oh oui! Oh toi! Il y a un truc derrière moi je crois. Non. Ok c'est bon, c'est bon. Ouh tête! On voit pas grand chose, non? Ouais, on voit pas grand chose. En plus, ce con il est à moitié défoncé avec la fontaine. Je vais mettre un petit steampack. C'est une ghoul, ça, non? Ah, oui, d'accord. Ça va, ça va, ça va, ça va. Putain, j'hallucine. Tout dans la tête! Il trouve le moyen de la rater! Quand même! Fais un effort! Aïe aïe aïe, celle-là elle est pour nous. Elle est pour nous. Oh putain. Putain. En plus, on l'a vu venir quoi. Bon, je vais me chercher du café, j'arrive. Heureux. Bon. Du coup, clairement, il y a un souci de DPS. Donc, au grand mot, les grands moyens. Ouh! Mange mon fusil! Oh! Je pense que le fusil à pompe pour la goulasse, ça va être notre meilleur ami. Elles arrivent par là, Kate, chérie, regarde, elles sont là. Des zombies? Mais non, c'est pas des zombies, c'est des ghouls. C'est des ghouls, bébé. Ouh! Allez, mais applique-toi dans le tir. Putain de toi! Par contre, je prends énormément de dégâts. Je pense que c'est mon nouveau stuff. Pas forcément. Oh! Oh! Tête. Raté. Pas assez pris pour un. Hop là, un petit saut de cabri. Pas assez de pierre. Pas assez de pierre. Pas assez de pierre. Apparemment. Ouh! Ils lui en veulent vraiment à elle. Et un peu à moi aussi quand même. Aïe! Salope! Pousse-toi! On va. Ah pff, putain. Aucune chance de toucher pratiquement quoi. Oh le bras! I! Recharge frérot, recharge! Recharge! Hop, mettons en vue première personne. Tiens! Tiens! Ah oh, mais elle est violente celle-là! Elle est desséchée en même temps. Quand elles sont desséchées en général, elle tape plus fort. C'est bout de bois. Je sais pas où aller. En plus, je vois rien. Aïe. Putain. Hop, tiens. Je te recharge devant ta gueule et tête. Je suis là. T'es impossible d'être aussi mauvais. Ah là là, c'est la goule ou moi là. Il se concentre. Tête. Oui, bien joué. Quelle merde. Faites voir un peu. J'ai quand même 136 d'armure quoi. Pas de la merde hein. C'est pas de la merde. Ah. Quelle histoire. Tiens maman j'ai ça. What the fuck. Peut-être manger un truc qu'il fallait pas. Ah ça m'a donné un... D'accord. Mange une carotte. Voilà, et bois un coup. Voilà. Debout bébé. Non, c'est pas toi. Non, c'est un con de Lubeck. Oh, le squat du KIT militaire, ça c'est bon par contre. Bon. Ça va bébé. Ouais. Bon.
Je pense que prochainement aussi, là, il y a une personne qui avait demandé un petit peu le retour de Wolfie. Ce genre de nouveau personnage, on va se le faire, on va se le faire. Je vais pas aller jusqu'à vous dire qu'on prendra tous les personnages qu'on n'a pas pris déjà à un moment donné. Mais on va se le faire. Bon. Écoutez, les autres ghouls, elles doivent être... What? Fuck. Oh! Oh là 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 là! On n'a rien vu de ce qui s'est passé, hein. Mais alors, par contre, il a éclaté. Mais voilà une goulasse. Ouh, ouh, ouh! Mon dieu. Oh oui, bien joué ça. Voilà, dans les genoux. Souvenez-vous, la cervelle c'est super, la rotule c'est pas nul. Tête. Oh. Alors celle-là il te l'a calmée. Ouais, qu'est-ce que ça fait, hein? Hein, Valjean? On va y arriver, les amis, vous inquiétez pas, on va y arriver. Je vous le promets. Après, ce que je vais faire, c'est que... Pardon. On va retourner à la maison. Notre maison, vous savez... Putain, partout, c'est incroyable, cette histoire. Tiens... Rentre chez ta tête. On va rentrer à notre maison et je récupérerai mon ancien pompe, celui qui a munitions infinies complètement OP fucking cheaté. Histoire d'avoir une arme un peu de conséquence. Et surtout... Bordel. Poche de sang luminescente. Bon, tout ce qui est brûlé, on s'en fout, j'imagine. Élément sacré. Ah, la parole sainte d'Atom, son tableau mène à l'intérieur. Ok, bon, on va pas le prendre. Peut-être d'autres gens qui vont venir après nous. Kate, je ferme la porte, hein, tu m'en voudras pas. Je me mange une quantité de radiation assez dégueulasse. Donc ouais, je disais qu'on ira un petit peu essayer de peaufiner nos armes, etc., etc. Mais bon, pour le moment, on va se faire arborer. On va se faire arborer. J'ai plus de balles avec ce fusil. Le tableau, blablabla, blablabla. Bon. Mot de passe, mot de passe. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Tableau périodique des éléments. Oui, ça doit forcément être un élément qui a un rapport avec le... Mot de passe. Il est con. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Ah. Voilà. Moser. T-H-E-R. M-O, je pense que c'est. T-H, je sais pas ce que c'est. Mer. Ce serait ça le mot de passe? Il doit y être là-dedans. Mais bon. Olé. Récupérer l'icône. Oh, salut. Parfait. L'icône. Icône de la mer. Ok. À cet hôtel, se retirer à Atom, réfléchir, sachez que les adeptes surveillent. Ouais, il y a du monde autour, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire. Et là, je vais me retourner, il va y avoir un gars. Je vais faire bah. Bah. Eh ben non. Ok. Sauvegarde. On dirait qu'il est plus stun, ça y est. Tant mieux parce que c'était chiant quand même. Du bizarre et tout. Que de la merde. Par contre, ça y est, j'ai fini d'être défoncé, bébé. On va pouvoir passer à la suite. La suite qui se trouve où? La suite qui se trouve là-bas. Allez, retour au noyau.
Il doit être content comme ça. Ellipse du chargement. Ok, ça nous est arrivé. Bonjour. Vous êtes de retour. Ouais. C'est déjà plus que ce à quoi je m'attendais. Est-ce que... Ta gueule, espèce de tarba. attendez, on va se prendre un... Tac, tac. On va manger un peu du rat de serre grillé devant sa gueule. J'ai bu l'eau de la source et une femme m'a montré cette icône. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme? Elle vous a montré cette icône? Ouais. Quelle femme? La mère. Qu'avez-vous vu? Je vais inventer un truc, non? C'était... Je vais lui dire la vérité. Dans un autre monde. Cette femme, elle était comme une ombre vivante, entourée de brouillard. Atome tout puissant. Vous l'avez réellement vue? Ah, voilà. La mère du brouillard. La mère est une messagère. Elle sert de guide à ceux qui ont une place importante dans ces plans. Mais qu'a vu la mère? L'avenir de cette famille. C'est elle qui a mené le premier d'entre nous ici. Ah oui? Et si elle s'est montrée à vous? Ah. Alors je pense que le chemin qu'il vous a réservé est clair. Ouais. Si vous êtes d'accord pour passer à la prochaine étape. Vas-y, fais péter. Je pense qu'une place vous est réservée parmi les enfants. Oh. Oh. J'accepte de suivre son chemin. Qu'il en soit ainsi. Entrez Richter. Et présentez l'icône au grand confesseur après son serment. Ça devrait l'intéresser au plus haut point. Une fois que vous lui en avez parlé, revenez me voir. J'aimerais vous confier une tâche. Et voilà pour vous. De quoi vous rendre plus présentable. Mais retenez bien une chose. Nous sommes tous de fervents serviteurs d'Atome ici. Ouais, Richter, ça marche. Messager ou non, aucune action à l'encontre de la famille ne sera tolérée. Eh ça, c'est... Bienvenue parmi nous, mon frère. Ça semble logique. Qu'est-ce que c'est? Vous pensez que je vais devoir le mettre, ça? Je pense qu'il faut sincèrement que je le mette. Ne serait-ce que pour être de couleur locale, comme on dit. C'est où? Tenue de croyant d'Atome. Oui, ça va m'enlever tout mon stuff. Oh putain. Oh putain. T'inquiète bébé, c'est rien. Il me semble que le confesseur arrive à la fin de son serment. Vous feriez bien d'en... Alors on va rentrer. Ça serait con de le faire attendre. Est-ce que je le fais en ellipse, ce chargement, ou pas? Ils sont condamnés, frères et sœurs, et ils le savent. Les habitants de Far Harbor n'ont qu'à regarder par la fenêtre pour voir le visage d'Atome incarné dans son brouillard sacré. Et pourtant... Le mec peut pas s'empêcher de tout... Le règne d'Atome sur cette terre a beau être inévitable, il continue de le nier. Il se moque de nous derrière leur condenseur. Il tue nos missionnaires. Et il martyrise tous ceux qui veulent leur apporter la lumière. Oh, il un est fucking temps sous-marin. Que cela cesse. Après des années à nous cacher dans l'ombre tels des chiens battus, nous savons enfin ce que nous avons à faire. Et j'ai la certitude que la clé de notre victoire finale se trouve ici, dans le noyau. Nous allons mettre la main sur les secrets cachés par ce maudit robot, et nous en ferons usage pour rayer Far Harbor de la carte. Le brouillard d'Atome envahira ces rues. Son saint brouillard purgeant la terre de son hérésie. Et quand enfin nous recevrons la fragmentation, ce sera en héros. Frères et sœurs, une aube nouvelle s'annonce. Gloire à Atome. Gloire à Atome. Mon Dieu. Donne-moi. Eh, vas-y donc. Oui. Merci. Quelle merde. On va y aller RP, on va marcher normalement. Bonjour. Il est re-rentré dans son sous-marin, c'est ça? Tu entends. Non, il est pas rentré dans le sous-marin, je pense. Il a dû aller par là. Pardon, chérie.
Bonjour. Ah, vous êtes là. Ah bah c'est Richter. J'ai une tâche à vous confier. Quoi ? Encore ? Du moment que ça ne m'oblige pas à boire de l'eau empoisonnée. Non, ça devrait aller. Ah. Il y a une femme, l'une des nôtres. Ou du moins, elle l'était. Elle s'appelle Gwinnett. Pas le trop. Mais elle s'est laissée corrompre par quelque chose d'obscur. Oh putain, le côté obscur de la force. De la suivre. Mais cet hérétique a réussi à lui échapper. Et maintenant, Gwinnett profane nos sites sacrés avec ses délires, n'hésitant pas à railler ouvertement Atome. Mmh. Le grand confesseur veut que nous la retrouvions. Et que nous l'exécutions. Ah, carrément. Ok. Je la retrouverai, grand dévot. Bien. Allez voir la dévote Till. Elle devrait pouvoir vous aider à retrouver la trace de Gwinnett. Allez. Et dispensez le jugement d'Atome sur l'hérétique. Ouais. Alors, je suis en train de me poser une question, les amis. Qui est la suivante ? J'ai envie de vous laisser le choix. C'est-à-dire la possibilité de choisir à qui est-ce que nous allons, en fait, nous rallier. Pour le moment, de ce que j'en déduis, on peut se rallier soit à Atome, et donc, a priori, avoir les gens de Acadia en ennemi, et même éventuellement les gens de Far Harbor. Ou alors on peut se rallier soit à Acadia et du coup avoir les gens d'Atome en ennemi. Par contre, tu peux pas passer par le bon endroit, j'ai l'impression. De ce fait, pour le moment, aucune action, je pense, n'entraîne de. Je voudrais peut-être balancer quelques trucs. Ah d'accord, je suis full. Très bien. Très bien. Donc de ce fait. Alors attendez. Ouais, tu vois le sac d'engrais, par exemple, typiquement en Valtège. Voilà, allez, ciao. De ce fait, dans les commentaires, vous allez me dire un petit peu. Pardonnez-moi. Gloire à Atome, mon frère. J'imagine que c'est à vous que Richter a demandé d'aller à la source. Vous n'avez pas le regard vide, ni la bave aux lèvres. Alors j'imagine que ça s'est bien passé. Quelle vision le Saint-Atome vous a-t-il donné ? Ok, donc avant de lui répondre, je vais finir de vous parler de ce que je voulais vous dire. Donc de ce fait, dans les commentaires, vous allez me dire, non, plutôt go avec Atome, ou non, plutôt go avec Acadia et je sais plus comment il s'appelle, là, le robot, ou même éventuellement go avec, comment ? Avec les gens de Far Harbor. Vous sentez bien ? Oui, ça va, t'inquiète, je parle avec... Ok, s'il te plaît, tu permets ? Donc ça, c'est à vous de choisir, vous me le direz dans les commentaires, et puis le choix qui aura remporté le plus de commentaires sera le choix que je prendrai pour la suite du let's play. Voilà. Donc vous avez un peu de temps, je pense que pour le moment, on est obligé à... Enfin, vous endormir. Mais non, ta gueule, putain. Ah, Tom, je suis quand même pas si parvente que ça, si ? Si, un peu là, oui, un peu. Donc, du coup, voilà, c'est à vous de me dire, à vous de choisir un petit peu quelle suite nous allons prendre. N'oubliez pas, soit on aide Atome, soit on aide Acadia, soit on aide Far Harbor, je pense. En tout cas, il va falloir trancher pour le moment entre Atome et Acadia. Ça, c'est vous qui allez choisir. Il est venu à moi et m'a confié le secret pour surmonter tous les défis de la vie. Et pour 500 capsules seulement, je peux vous raconter ce secret. Non, merci. Mais en tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit de la part des autres dévots ou moi-même, n'hésitez pas à demander. C'est le grand dévot qui m'envoie. Dites-moi tout ce que vous pouvez sur la sœur Gwinnett. Très bien. Le grand dévot vous l'a sûrement déjà dit. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais Gwinnett était autrefois un membre très dévoué de notre ordre. Malgré son humeur changeante, elle était très appréciée, en particulier par le grand dévot. Il l'aimait vraiment beaucoup. Du moins, jusqu'à ce qu'elle se détourne du Saint-Atome. C'est moi qui étais chargée de retrouver Gwinnett. Mais elle a toujours eu une longueur d'avance. J'ai honte d'admettre que j'ai échoué. Oh bah c'est la vie hein. Oh putain. Gwinnett était votre amie, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas échoué délibérément ? Je n'oserais jamais défier les commandes. Je ne vis que par ma foi. Et ma dévotion à Atome est absolue. Oui, c'est ce qu'on dit, ouais. Je vous propose insultant. Il est de mon devoir de vous aider dans cette tâche, et je le ferai. Oh, vous devriez commencer par examiner les lieux sacrés. J'ai envie d'en faire un grand inquisiteur d'Atome, quoi. Oh. Le genre de gars un peu bien pourri qui est là pour répandre sa religion, et tous ceux qui y croient pas, ils les explosent, mais de façon sanglante et brutale.
Muy brutal, muy bestial. Ok. On va enchaîner un petit peu, puisque je pense qu'on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Salut. Prenez garde, mon frère. Le dernier enfant qui a tenté de percer les secrets de la base en a réveillé les gardiens. Alors, à moins que vous soyez en mission exprès pour le grand confesseur, je vous déconseille d'approcher du centre de commandement. N'ayez crainte, ma sœur. Atom me protégera. Les frères et sœurs qui ont péri avaient sans doute la même conviction. Si vous voulez remettre votre destin entre les mains d'Atom, je ne vous retiens pas. Puisse-t-il veiller sur vous? Oui, sans problème. Il va se passer un truc chelou derrière la porte, je crois. Non? Si. Oui. Qu'est-ce qui... À mon avis, c'est baston, tout ça là, hein. Il va y avoir des grosses bébêtes. Je sais pas trop... Oh, les fuck. Ok, d'accord, t'as compris. Alors, Donc déjà... Tac, tac. Hop. Et hop. Petite sauvegarde. On va aller jeter un coup d'œil ici. Qu'est-ce que je dois faire? Donner. Obtenez l'accès au terminal de Dima. Ah! Et oui, c'est la quête que je suis venu faire ici pour Dima, justement. Ok. Comme ça, je vais peut-être pas le faire maintenant, du coup. Fallait que je parle au dévot. Examiner. Non. Optionnel. Aider les enfants d'Atom. Non, d'accord. Montrer l'icône au grand confesseur. Si, voilà. Celle-là, il faut que je la mette en suivi, pardon. Hop. Voilà. Du coup, déjà, dans un premier temps, on va faire ça. Je pense que dans le prochain épisode, on ira enchaîner sur ça. Salut! Oui. Oui, cool, elle est cool, Atom. Alors, c'est où? C'est pas loin. C'est pas loin. Donc je fouillerai plus tard ici. Elle, on l'a déjà vu. Sœur May. Non, je crois qu'on lui a pas parlé. Excusez-moi. Je me demandais quand j'aurais la chance de faire votre connaissance. Salut. Je suis Sœur May. Oui. On dit que c'est vous qui avez reçu les faveurs de la mère du brouillard. Ouais. Vous n'auriez pas aperçu en quoi consiste le test de loyauté du grand dévot par hasard? Non. Mais je vais lui raconter un peu des conneries, je pense. Si, je l'ai vu. Écoutez, c'est une leçon qu'il vaut mieux intégrer le plus vite possible. La confiance, c'est très important dans notre famille. Nos membres doivent apprendre à éviter les ennuis. Restez dans les bonnes grâces du grand confesseur et tout ira bien. À part ça, vous avez besoin de quelque chose? Et si le rayonnement vous dérange, je peux vous aider à vous en purger aussi. Troc. Je vais jeter un coup d'œil. Tenez. Dankeschön. Fais voir un peu, elle a des trucs bien, elle. Rien d'incroyable quand même, hein. Rien d'incroyable. Des munitions? Oui. Ok, alors, faites voir mes armes. Il est où le gardien du superviseur? Là. Balle de 308. Donne. J'ai envie de presque acheter toutes les balles, finalement. Bon, ça, je sais que ça me servira à rien. Harry, ça tire du 50, ça. Du 44. Achète 44. Le calibre 12, tu achètes. Il est où le fusil à levier? Il est là. Le fusil à levier, j'en ai des balles. Ça va. Peut-être acheter les clous aussi, tiens. Ok, ça va, j'ai des sous. Tracteur à fusion, on s'en fout, ça aussi. Le 38. Du calibre 38. Non, bon, allez. Ok. Ciao. A plus sous le bus.
Mais attendez. Sœur Mai. Il vous faut de l'équipement? Même les élus d'atomes ont besoin de stims et de munitions. Voilà. Je me demandais si vous aviez besoin d'aide. Eh bien, j'ai comme qui dirait un projet au point mort. Ah ouais. Vous avez dû voir les anciennes arches de décontamination en arrivant, non? Ça fait un moment que j'essaie de les réparer, mais j'ai un sérieux problème. J'ai besoin d'un régulateur de pompe avec une sacrée résonance magnétique. Un régulateur un de modèle industriel. Pompe. Et s'il y a un endroit sur cette île où on a une chance d'en trouver un, c'est l'usine Vimpop. Le problème, c'est qu'elle grouille de mutants. Oh, c'est rien, si ça. Si ça vous tente, je saurai vous récompenser. Qu'est-ce que vous en dites? Vas-y, fais péter. Vous avez évoqué une récompense. Qu'est-ce que vous avez en tête? Si vous risquez votre vie pour mon petit projet, j'ai un vieux fusil radium que j'ai un peu bricolé. Oh. Rapportez-moi ce régulateur et il est à vous. Intéressant. D'accord. Je vais aller vous chercher un régulateur de pompe. C'est vrai? Excellent. Un régulateur. À mon avis, vous devriez le trouver près de la salle de mélange. Simplement, faites attention là-bas, d'accord? Oui, t'inquiète. Vous aviez besoin d'autre chose? Non. Négatif. C'est bon, merci, au revoir. Je ne fais je que passer. Je ne fais que jeter un œil. Ça me va. Tiens, prends mon œil. Je te le jette dessus. J'en ai pas besoin, j'en ramasse des dizaines tous les jours sur les têtes que je fais exploser. Donc je pense effectivement que le grand Pop, il était dans le sous-marin. Ouais, voilà. Clairement. Clairement, clairement. Est-ce que je descends? Non, parce qu'il y a l'air d'avoir un truc à faire en bas aussi. 22 mètres. 22 mètres, c'est quelque part par là. Écoutez, on va rentrer dans le sous-marin. Salut. Salut. Vous fait subir le jugement d'atome à la sœur Gwinnette. Le jugement dernier. On va aller voir ce qu'il y a là-bas dedans. À mon avis, lui, il est complètement perché, le mec. Ça doit être un putain de fou furieux. Je pense que l'ombre qu'on a vue, en fait, elle veut qu'on le... Au final, je suis pas sûr. Mais à mon avis, elle veut qu'on le vire, parce que lui, il m'a l'air un peu trop foufou, lui. Ah oui, il m'a l'air complètement foufou, même. Respectez ces lieux. Vous êtes dans un sanctuaire sacré. Excusez-moi. Ah, j'avais entendu dire que nous avions un nouveau converti. Bienvenue, mon frère. Quel effet cela fait-il de prendre sa place parmi les élus d'Atome? C'est un honneur, grand confesseur. Je suis heureux que vous le preniez ainsi. On va le jouer comme ça pour le moment. Que peu de cas de la grâce d'Atome. Permettez-moi de vous poser une question. Vous avez vu Far Harbor, n'est-ce pas? Avec les barrières qui ont été dressées contre le brouillard sacré d'Atome. Ces impies refusent de quitter ce qui est clairement son domaine. Que feriez-vous d'un tel endroit? Tiens, je vais lui dire ça. Je tendrai la main à ces gens pour essayer de faire la paix avec eux. Ne pensez-vous pas que nous avons essayé? Des années durant, mon prédécesseur a tenté de faire la paix, tandis que Far Harbor fortifiait son bastion hérétique. Nous avons essayé de les aider, de leur apporter la lumière d'Atome. Et bon nombre c'est de nos frères boy qui ont laissé la vie. Mais maintenant que je suis grand confesseur, ce temps est révolu. Tous les ennemis d'Atome, que ce soit les habitants de Far Harbor qui se cachent en tremblant derrière leur précieux condenseur, ou ce vieux robot qui dissimule ses souvenirs chez nous, tous finiront par comprendre qu'Atome est le seul et unique maître de cette île. Mais il nous faut être unis pour réussir. Atome exige la dévotion de tous ses enfants. Acceptez-le, et tout se passera bien pour vous. Aviez-vous besoin de quelque chose? Alors, déjà, on va faire ça. J'ai trouvé cette icône. Le grand dévot m'a dit qu'elle devrait vous intéresser. Est-ce que c'est la mer? Ainsi, les murmures disent vrai. Vous avez vu la mer du brouillard? Nombre d'enfants d'atomes passent leur vie entière à espérer un tel signe. Bah, c'était tout plutôt facile, hein. Tout pour savoir qu'ils fondent de grands espoirs en vous, mon enfant. Et moi aussi, désormais. Vous fallait-il autre chose? Donc lui, déjà, on l'a dans la poche. J'aimerais aider la famille. Je peux faire quoi que ce soit? En effet. Il y a un membre de notre petite communauté que je soupçonne depuis quelque temps. L'enquête que j'ai menée à son sujet n'a rien donné.
Mais comme vous venez d'arriver ici, cela pourrait vous aider à découvrir la vérité. J'aimerais que vous enquêtiez sur cette personne. Si jamais vous découvrez la moindre preuve d'hérésie ou de déloyauté, Squeak. Apportez-la-moi. Montrez-vous digne de confiance et je saurai vous récompenser comme il se doit. Ouais, c'est ça, ouais. Récompense. Vous avez parlé d'une récompense ? Il existe une relique. Une capuche sacrée qui fait partie de mes biens les plus précieux. Une capuche ? Faites ce que je vous demande. Et elle est à vous. Ouais. C'est comme si c'était fait. Excellent. Apportez-moi tout ce que vous trouverez à moi et à moi seul. Voilà la personne en question. Ne laissez rien au hasard. C'est votre chance de prouver votre valeur auprès d'Atom. Bien. Bien, 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 bien. Bah écoutez les amis. Ah putain, mais c'est que ça descend et tout. Ça craint un mort ici. Tu as tellement raison, Kate. Écoute, pour le moment, on est dans le nid de l'aigle, comme on dit, donc... On va y rester, on va faire profil bas et on va faire genre que on est. Hein. Attends, tu t'assois carrément dans son canapé, quoi. Kate, à un moment donné, il y a des trucs qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Bon. Je me demande si je devrais pas reprendre Wolfie pour cette partie-là de la quête parce que. Et ouais. Parce qu'elle, elle va avoir trop de moments où elle va se dire mais qu'est-ce qu'il fout, quoi. Bref, les amis. Ceci marque la fin de notre épisode, donc n'oubliez pas, comme je vous ai dit, c'est vous qui allez choisir quelle faction nous allons aider. Donc, on le voit bien, c'est soit Acadia, soit Far Harbor, soit les enfants d'Atom. Et dans chaque cas, j'essayerai de trouver un petit roleplay pour notre personnage. Par exemple, je sais pas si on, vous me dites, Mutsu, on veut que tu rejoignes les enfants d'Atom pour la suite du let's play de Tête 4. Dans ces cas-là, peut-être que j'en ferai un grand inquisiteur ou un truc comme ça, vous savez, un genre de fou furieux de la religion, ou... un truc un peu rigolo, quoi, bien entendu. Et puis, si jamais c'est plutôt Acadia, ce serait du coup plus un libérateur, un héros un peu sanguinaire qui viendrait exploser les hérétiques d'Atom, etc., etc. Donc, voilà, il y a moyen de rigoler, je pense. J'espère que ça vous aura plu. Je vous prépare l'épisode là très rapidement pour que vous puissiez le voir dans le week-end. Je tourne cet épisode, c'est samedi. J'ai bon espoir que vous puissiez le voir dimanche. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de très bien vous porter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Merci à tous de suivre les épisodes de ce Let's Play. Moi, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. À très bientôt.